C'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose de totalement nawak, les jeux vidéo. Pourquoi les jeux vidéo sont nawak, vous allez me dire? Parce que je vais vous expliquer 5 trucs qui sont nawak sur les jeux vidéo. Enfin, plutôt 4 et un petit bonus sur les consoles. Donc, le premier. Le truc le moins réel au monde. T'as une jauge de vie. Genre, prenons exemple sur GTA 5. T'as une jauge de vie. Tu prends une balle. Tu dors que 3 balles. Il te reste 5 vies. Après, tu sautes d'un mur de 2 mètres. Comme ça. Sur GTA, c'est ça. Tu sautes de ça. Tu retombes sur les pieds. T'es décédé direct. Point numéro 2. J'ai acheté un nouveau jeu. Génial. James Bond. James Bond. Ouais, j'ai acheté un nouveau jeu. Le chargement est le truc le plus chiant. Dans les musiques, je vais prendre un exemple de jeu très très critiqué dans la musique. On n'est pas très critiqué, puisque c'est nawak total dans la musique. Dans Skyrim, t'as une musique tout le long du jeu, c'est paisible. Quand t'as un ennemi qui s'approche de toi, la musique change. Tu vois, la musique vient. Tu vois, ça. C'est bien stylé. Quatrième point. C'est la longueur de la création des jeux par rapport à ce qu'on en fait. Genre par exemple, GTA 5, ils ont mis environ 5 ans à le créer. Ils le valaient. 5 ans à le créer, ils le valaient franchement. Ils les valaient franchement, c'est mais il y a un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi il faut autant de temps pour créer un jeu alors qu'en 2 jours il finit? Ça, c'est un truc à voir. Cinquième point, les consoles. Ça. Les consoles, je vais vous en parler quand même un petit peu, pas beaucoup, mais franchement un petit peu. Parce qu'en fait, les consoles, il y a la PS1 qui est sortie, tu vois. Quand la PS1 est sortie, tout le monde l'avait, ils disent ouais, moi j'ai la PS1 et toi? Ah non, moi j'ai rien du tout. 2 jours plus tard, t'as le mec qui revient. Et puis c'est quoi? Moi j'ai la Xbox. Ah, c'est cool, hein.
Du coup, t'étais un peu dégoûté parce que la Xbox coûtait plus cher et t'as des beaucoup plus beaux graphismes. Beaucoup, beaucoup plus beaux graphismes. Genre, tu vois, moi, une fois chez les chapotes, j'ai dit, ouais, je vais acheter la PS2. Il m'a dit, ah, moi j'ai acheté la Xbox 360. Dans ma tête, j'étais là, putain, mais il est riche ce mec. La PS3 est sortie en même temps que la Xbox 360. Mais la PS3, quand elle est sortie, le prix était là. Tu vois, 600 quelque chose. Alors que la Xbox, c'était 300 quelque chose. 300 francs de différence pour une console qui est sortie presque en même temps. Ça, j'ai pas tout compris. Et après, t'as la PS4 et la Xbox One qui sont sortis cette année. Non. En 2014. Et là. Et là, attention. Le truc le plus débile, c'est que la PS3 coûtait 300 balles de plus que la Xbox 360, et la PS4 et la Xbox One était plus chère que la PS4. Du coup, ça avait pas fait comme ça, ça avait fait comme ça. Ça a changé carrément. Likez la vidéo, commentez, si vous n'aimez pas, ne dislikez pas. Très gentil. Commentaire, like, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!